Ah, les gars, là, est-ce que tu fous la vie, les gars? Allez, la allez, 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 all
Déception pour les supporters et pour les joueurs, qu'en est-il ? Ouais, ben c'est sûr que aujourd'hui la déception elle est grande parce que surtout qu'on avait bien commencé le match. On a commencé avec deux buts inscrits assez rapidement. Et puis il y a eu la blessure de Yadi. On a commencé à reculer. Eux ils ont commencé à prendre confiance et voilà, on n'a pas su gérer le match. On a perdu pas mal de duels et ils ont réussi à être plus efficaces contrairement à nous. Même si aujourd'hui il y a une défaite, je pense qu'on l'a vu sur les derniers matchs, on est sur le bon chemin. Et voilà, maintenant il n'y a que le travail qui paye. Donc comme je dis, on va continuer à travailler et je l'espère qu'on va se sauver. Maintenant, voilà, c'est dommage cette défaite comme j'ai déjà dit, mais voilà, on va déjà un peu profiter, essayer de bien récupérer pendant les vacances. Et puis après, on va revenir avec un match très important contre le RWDM. Et on va tout donner jusque la fin et je pense qu'on a de grandes chances de sauver. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous venez de jouer votre 100e match rouge et bleu. Ah bon ? Quel est le souvenir sur l'ensemble des 100 matchs gardez-vous du club dans lequel vous jouez aujourd'hui ? Je pense que c'est un plaisir de jouer dans un club comme ça avec les supporters. Quand on voit encore combien ils étaient aujourd'hui dans le froid, c'est magnifique parce qu'ils ont toujours été derrière nous dans la victoire comme dans la défaite. Donc on peut garder que des bons souvenirs dans un club comme ça.